La Sturmabteilung, plus connue sous ses initiales SA, a été créée quasiment en même temps que le DAP, ancêtre du NSDAP. Au début, formée par quelques hommes sous le nom de Salzschutzabteilung, détachement de protection de la salle de réunion, composée alors de quelques volontaires qui vérifiaient qu'il n'y avait pas de perturbateurs qui empêchaient le bon déroulement du rassemblement, et pour le moment, les perturbateurs sont plus des personnes alcoolisées que des opposants politiques. Les réunions elles-mêmes sont composées d'hommes qui boivent de l'alcool en échangeant quelques idées, généralement le lundi soir. À l'arrivée d'Hitler, le calme des réunions est chamboulé. C'est un beau parleur qui attire du monde, aussi bien sympathisants qu'opposants. Hitler étant provocateur, attire sur lui la colère des opposants, principalement à cette époque des communistes. En novembre 1920, le Salzschutzabteilung est nommé tout simplement Ordnertruppen, service d'ordre. À ce moment-là, les hommes sont pour la plupart des anciens combattants des Freikorps qui détestent les communistes et qui se donnent à cœur joie de mettre dehors les opposants communistes. Ces hommes bénéficieront également le mercredi soir d'un endoctrinement politique d'Hitler en personne. Nous pouvons dire que c'est le capitaine Mer qui est le responsable de la création des SA. Le capitaine Mer qui est lui-même la personne qui a envoyé Hitler au sein du DAP pour soi-disant l'espionner, mais surtout pour prendre la parole, car il a les qualités d'être un beau parleur. Donc le capitaine Mer écrira le 14 septembre 1920 une lettre adressée à Wolfgang Kapp du putsch Kapp de 1920. Le Parti national des travailleurs doit fournir la base de la puissante force d'assaut que nous espérons. Le programme est encore quelque peu maladroit et peut-être aussi incomplet. Nous devrons le compléter. Une seule chose est sûre, sous cette bannière, nous pouvons déjà gagner un bon nombre de supporters. J'ai mis en place des jeunes très compétents. Un Herr Hitler, par exemple, est devenu une force motrice, un orateur populaire de premier rang. Donc, de cette information, nous pouvons dire que c'est le capitaine Mer qui est à l'origine des SA. Il a envoyé Hitler au DAP et de plus Ernst Röhm qui travaille sous ses ordres pour envoyer le maximum d'anciens combattants dans les rangs du DAP. Donc, en agissant de la sorte, il sait très bien que tous ces hommes se retrouveront dans une ambiance de camaraderie bruyante. La langue de la SA est dure et populaire. On s'y tutoie exclusivement. Et ces hommes ont pour point commun la haine des communistes et des juifs, responsable pour eux de la défaite de 1918, le fameux coup de poignard dans le dos. Donc, tout simplement, le fait d'envoyer des anciens combattants qui ont la haine du communisme dans des réunions où les communistes viendront justement créer des problèmes, inévitablement, cela entraînera des combats et ainsi naîtra la SA, donc le Capitaine Mer est totalement responsable de cette création. Goebbels dira des communistes qui interfèrent dans les réunions du parti: le mouvement national-socialiste n'avait aucun motif pour déclencher de lui-même la terreur partisane. Son but était de conquérir les masses et il se sentait si sûr de son propre droit qu'il pouvait renoncer à toute violence. Il n'y recourt que lorsque l'on l'utilisera contre lui. Il dira également: avant l'apparition du marxisme, la terreur en tant que procédé de lutte politique était parfaitement inconnue. Le marxisme n'avait pas besoin d'utiliser la violence contre les bourgeois qui toléraient en silence, mais dès que le parti nazi a voulu réclamer les mêmes droits, le marxisme, qui considérait ce domaine comme réservé, fut contraint d'y faire face par la terreur. Confrontés à une conception nationaliste basée sur la logique, les arguments intellectuels leur faisaient défaut. Et il fallut alors que le poignard, le revolver et la matraque comblent définitivement cette lacune. Il dira également sur la violence des communistes: dans le même temps, la terreur rouge la plus sanglante régnait dans la rue. Quand ils revenaient des réunions, nos camarades étaient poignardés ou abattus à la faveur de la nuit. On les attaquait à 10 ou 20 contre 1, dans les arrière-cours des immeubles. On les menaçait jusque dans leur propre demeure misérable. Et lorsque nous sollicitâmes la protection de la police, nous ne faisions en général que parler à des murs. Donc, ce que Goebbels oublie de dire, c'est que les hommes du service d'ordre font également
des excursions violentes dans les salles de réunion communistes et provoque également pas mal de dégâts. En août 1921, le service d'ordre est rebaptisé Schutz und Sportabteilung, donc division des sports. Le nom est trouvé par son nouveau commandant, le capitaine Klintz, de la brigade Erhard. C'est le même capitaine Erhard qui participera au putsch de Cap et qui propose de mettre son lieutenant à ce poste. Lui-même avait été proposé pour le poste, mais il est recherché dans toute l'Allemagne. Et déjà qu'il balade à Munich sans se cacher, il ne va pas non plus rajouter de l'huile sur le feu. Donc il met un de ses lieutenants en place. Mais le capitaine Erhard continuera à graviter autour du parti en envoyant des anciens combattants. Le capitaine Klintz écrira lui-même un article dans le journal Beobachter pour inciter les jeunes à le rejoindre, parce que justement, le nouveau nom est mis en place pour rester discret face aux autorités, mais aussi pour attirer les jeunes. Quelques mois plus tard, le 4 novembre 1921, un nouveau nom est trouvé par le capitaine Erhard en personne, la Sturmabteilung, que l'on peut traduire par détachement d'éclair ou section tempête. Ce nom rappelle inévitablement les combattants de la Première Guerre mondiale, les Sturmtruppen, les sections d'assaut, ce qui aura plus d'impact sur la jeunesse. La SA, telle que nous la connaissons, est née. Elle sera officiellement appelée de cette façon par Hitler lors d'une réunion le 30 novembre 1921. À partir de ce moment-là, la SA ne fera que grandir, ayant dans ses rangs aussi bien des vieux que des jeunes. Pour cela, la Jugendbund, ancêtre des jeunesses hitlériennes, sera créée et rattachée à la SA en 1922. Il y aura une aile pour les filles, et soit dit en passant, il y a des femmes dans la SA. Donc Hitler refuse qu'elles portent l'uniforme, et elles sont cantonnées au rôle administratif ou d'infirmière. Il y aura pour les jeunes garçons la Jungmannschaften pour les 14-16 ans, et la Jungsturm Adolf Hitler pour les 16-18 ans, en sachant qu'un jeune peut rentrer dans la SA à partir de 17 ans. Tous les jeunes de la Jugendbund effectueront les travaux de SA dans leur totalité, excepté les combats. Mais cela arrive que certains jeunes trouvent la mort, comme par exemple un certain Herbert Norkus, âgé de 15 ans. Il distribue des tracts lorsque plusieurs communistes lui tombent dessus et lui donnent plusieurs coups de couteau. Le médecin déclarera que le jeune était déjà mort à son arrivée à l'hôpital. La cause, 6 coups de couteau. En novembre 1923, les SA, avec d'autres groupes paramilitaires, participent au putsch des brasseries. Les hommes savent la date du putsch qu'au moment où on leur distribue leurs armes, quelques minutes avant le commencement. Ils ne seront pas choqués pour autant. Ils savent que la finalité de leur entraînement militaire est un putsch. Il y a déjà eu deux tentatives avant celui-là, mais ils ont toujours été arrêtés avant que cela ne commence vraiment. Cette fois-ci, le putsch sera stoppé dans le sang avec 16 morts, une centaine de blessés et plus d'une centaine d'arrestations, pendant que d'autres préféreront la fuite et l'exil. Après le putsch, la SA sera dissoute et interdite. Rome créera le Front Ban, qui rassemblera en son sein les anciens SA ainsi que tous les groupes paramilitaires ayant participé au putsch. Par la suite, la SA sera de nouveau autorisée. Le Front Ban continuera d'exister en parallèle, mais fin 1925, suite à une arrestation policière de l'état-major du Front Ban et de l'interdiction de celui-ci, le Front Ban sera dissous et ses membres réintégrèrent la SA. Des tensions vont commencer entre la SA du fait que la nouvelle SA est une arme politique entre les mains du parti, tandis que les anciens du Front Ban, avec une mentalité de Freikorps, veulent une SA indépendante, loin du milieu civil, ce qui est la cause de la démission de Rome à cette époque. De plus, des cas d'homosexualité éclatent déjà à cette époque. En août 1926, première grosse crise au sein du parti et de la SA de Berlin. Hitler avait déjà annoncé dans le Volkischer de mars 1926 qu'il exige la stricte subordination des SA sous le parti. Le 25 août 1926, tous les responsables du NSDAP de Berlin, soit environ 120 personnes, sont convoqués à une réunion confidentielle pour trouver un moyen de sortir de cette situation chaotique. Certains membres sont accusés de vouloir briser le parti berlinois.
Les personnes accusées doivent démissionner et quitter la réunion. Les personnes présentes lors de la réunion en sont venues aux mains. Et la réunion finit en combat. C'est dans cette ambiance qu'Hitler envoie Goebbels à Berlin pour arranger tout ça. Goebbels prendra en tant qu'adjoint le chef des SA Kurt Dallweg. L'objectif de Goebbels est de rassembler tous les SA de Berlin. La SA devient de plus en plus violente et les combats avec les opposants politiques sont quasiment quotidiens. Hitler dira « Mes hommes ne sont pas des anges, ce sont des lansquenets. Qu'ils vivent donc comme des lansquenets. J'ai besoin d'hommes à poigne et qui ne méditent pas sur les principes avant d'assommer quelqu'un. » Hitler dira également « Les gens les ont appelés un groupe brutal, et brutal qui ne recule devant rien. Cela me rend particulièrement heureux parce que je m'attends à ce que mes efforts et mon parti deviennent redoutés et en même temps connus. » Pour cela, les SA commencent à avoir des uniformes et des grades ainsi qu'une doctrine militaire. Les gens commencent à entendre parler des SA dans les journaux et commencent à les voir partout dans les rues, dans des mises en scène grandioses et des discours. Les SA représentent le parti aux yeux des gens qui n'ont jamais vu Hitler. Certaines personnes sont admiratives de ces hommes, d'autres les craignent. Pour cela, il n'est pas rare que les SA défilent dans les quartiers des communistes par provocation. Il arrive aussi que les SA descendent dans les quartiers juifs pour les insulter et les frapper. En fait, pour information, ils frappent tout ce qui peut ressembler à un juif. Les communistes ne sont pas en reste. Il leur arrive de casser des devantures de magasins ou des vitres de maisons dès l'apparition des sapins de Noël. De plus, ils attaquent les meetings nazis. Goebbels nous donnera un exemple de ces attaques communistes. Principe des rouges. Une personne hurle son opposition, soit en début de meeting, soit au milieu, suivi par les autres rouges. Ensuite, une chope de bière fond l'air et s'écrase. De là, tous les rouges cassent les pieds de chaises et de tables et jettent tout ce qui est possible. Avantage pour les SA et les SS, les communistes sont dispersés dans la salle. Avantage des SA et des SS, en bloc compact et discipliné. Principales blessures, front et tête, avec de graves commotions cérébrales. Après les combats, le conférencier reprend la parole avec les blessés gémissants et évacués pour des soins. La salle est pleine de débris. Une fois les rouges mis hors de la salle, il y avait la possibilité que les combats reprennent après le meeting. Les rouges attendent à l'extérieur de la salle. Le combat reprenait. En plus, des policiers essayaient de séparer les combattants et effectuer des arrestations. Donc voilà pour l'exemple des interventions communistes au sein du NSDAP. Donc, le fait que l'ASA est une discipline militaire en toute occasion attire les gens. Les gens souhaitaient une autorité ferme, énergique, bien définie. Ils étaient écœurés des éternelles luttes politiques des partis parlementaires. Dernière semaine d'août 1930, les SA, forts de leur succès et constatant qu'ils sont le fer de lance du parti, décide de demander une augmentation de solde, ou voire même simplement une solde pour certains d'entre eux. La cause est qu'ils constatent que les grosses têtes du parti vivent relativement bien et baignent dans le luxe, alors que eux sont pour la plupart au chômage suite à la crise financière de 1929 et que leurs locaux se transforment en centres de ravitaillement et d'assistance. Goebbels dira « La SA me cause de vives inquiétudes, pas moins qu'auparavant, et non sans raison. Elle conquit progressivement une indépendance excessive, et quand les hommes de guerre se mettent à faire leur propre politique, cela aboutit toujours à des absurdités. Il faut frapper sur les doigts de ces messieurs et le faire à temps. » Donc pour information, les SA menacent de disperser les différents meetings, les élections étant pour bientôt, les électeurs pourraient rebooter le parti nazi. Le leader de la révolte est un certain Sten Walter, et lui et les SA saccageront les bureaux et en viendront en main avec les SS. Le parti devra faire appel à la police dans certains cas, et pour d'autres, Hitler en personne se déplacera, ce qui aura le pouvoir de calmer tout le monde. Le commandant de la SA, Pfeffer von Salomon, demande à ce que la SA ait plus de subventions, et que Sten et quelques-uns de ses hommes ont des sièges au Parlement. Pour information, les hommes de la SA n'ont aucune place importante dans le parti nazi en général. De plus, les SA ont peur qu'ils ne soient plus utiles, à cause des Stahlhelm, casques d'acier, mouvement du DNVP. Ce sont les hommes qui défilent en tenue militaire
avec casque sur la tête et sac sur le dos. Groupe également mis en place par le capitaine Mer, qui a lui-même mis en place la SA. Il a quitté le NSDAP et veut contrer le NSDAP et la SA, et c'est pour ça qu'il met en place le Stade LM. Sten demande également une entrevue avec Hitler, ce que Goebbels promet, mais le 1er août 1930, Hitler refuse l'entrevue et refuse de placer des hommes des SA de Sten au Parlement. Mais Hitler acceptera l'augmentation demandée par les SA. Cette crise aura pour conséquence la fin du commandement de Pfeffer von Salomon et le retour de Rome de Bolivie sur demande d'Hitler. Hitler devient chef suprême de la SA et prend Koch en tant qu'adjoint pour ce qui concerne la SA. Rome revient au sein du parti et il devient chef d'état-major de la SA le 30 novembre 1930. Le 25 février 1931, Rome interdit aux SA de participer aux combats de rue. Il faut dire que les SA deviennent ingérables. Certains d'entre eux, lors de bagarres, tirent au pistolet dans les restaurants ou les salles de spectacle, blessant ainsi des innocents. Sten, qui est le second de Rome, voit dans cette interdiction un affront. Il dénonce une efféminité et une bourgeoisisation du parti. Il réclame une action active. Les SA commencent leur troisième grande crise. Sten dit « Nous sommes les combattants de 1918, 1920 et 1923. Les victoires de notre cause en ont été bafouées. Les SA sont le fer de lance de la révolution. » Sten sera révoqué et il occupera avec ses hommes les bureaux du parti ainsi que Landgriff, le bâtiment des journaux de Goebbels. Dans une nouvelle lettre, Sten avertit Rome. Personne ne gouverne à long terme en toute impunité contre l'opinion des meilleurs constituants du peuple, dans ce cas, contre l'humeur de l'ASA. Sten écrira également dans le journal « Il va à l'ASA la victoire de l'idée devant la lutte pour le peuple et la patrie, contre les tendances bourgeoises, libérales, au sein de la direction politique du NSDAP. » Horst Wessel et les autres, des milliers de camarades, n'auraient pas saigné en vain. Hitler dira « Quiconque mène aujourd'hui le mouvement national-socialiste dans une guerre ouverte contre l'État pêche. Tout homme qui essaie devra être complètement désarmé. Toute personne qui fomente un acte de violence contre l'État actuel est soit un imbécile, un criminel ou un leurre. La légalité du parti a été invoquée et je ne permettrai à personne de me parjurer. » Pour information, les frères Stresser accusent Goebbels d'être la cause de ses problèmes à cause de ses méthodes. Et il l'accuse aussi d'être la cause de la défaite électorale. Hitler, pour régler la situation, nomme l'ancien chef de la Reichswehr, Paul Schulz, en tant que chef suprême de la SA Est, avec la tâche spéciale de réprimer la révolte et de débarrasser la SA des partisans de Stein. Il faut dire que les SA se battent entre eux, avec une rare violence. Certains groupes SA sont même aidés de communistes pour combattre d'autres SA. Les SA fidèles au parti se range sous la nouvelle direction provisoire de Paul Schulz et les SA révoltés sous Walter Stein, ainsi que d'anciens membres du NSDAP et d'anciens membres de l'ASA virés lors de la première crise, comme Rohrein, qui dira à qui veut l'entendre que lui et son ami Rome ont Hitler dans leur poche. Une grande partie des SA ont cru que Rohrein était le chef anonyme de l'ASA. Et pour information, il semblerait que le capitaine Erhard soit présent à Berlin lors de ces troubles et qu'il soit en réalité l'instigateur de cette révolte. Goebbels dira « L'homme de l'ASA veut combattre, et il a le droit d'être mené au combat. Son existence ne trouve sa justification que dans la lutte. L'ASA, sans tendance combative, est absurde et inutile. » Donc Goebbels résume bien le problème. L'ASA sans combat est inutile, et ça, les SA le savent très bien. Ils veulent garder leur place, donc comme Rome a interdit les combats, Rome devient l'ennemi. Sten fera tout pour discréditer Rome aux yeux du Führer. A cet effet, Sten dispose de lettres de Rome à partir de quelles l'homosexualité est divulguée. Sten transmet les lettres en 1932 à l'écrivain Helmut Klotz, un ancien du parti ayant participé au putsch de 1923, et qui publie les lettres de Rome. Pour information, Klotz Helmut sera agressé à la sortie d'un restaurant et il sera grièvement blessé par 5 députés nazis. Il sera frappé au visage et recevra des coups de pied au sol. Il y aura même une cigarette enfoncée dans le visage. Les députés nazis seront arrêtés par la police en plein parlement. Edmund Heinz,
L'un des agresseurs sera condamné à 3 mois de prison. Gregor Stresser sera également soupçonné et il dira qu'il est désolé que Klotz soit encore en vie. À l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Klotz ira se réfugier à Paris. Une fois l'Allemagne victorieuse, il sera arrêté et mené en Allemagne en 1940 dans le camp de concentration de Sachsenhausen, où il sera transféré en 1943 à Berlin, à la prison de Plötzensee, où il sera tué le 3 février 1943. Donc, pour en revenir à nos rumeurs d'homosexualité de Rome, Hitler sait parfaitement que c'est Sten qui a lancé ces rumeurs. Car Schulz a nommé Kurt Dallweg comme second, et Kurt Dallweg a envoyé le SS Herbert Packebusch dans l'état-major de Sten en tant qu'informateur. Donc tous leurs faits et gestes sont connus à l'avance. Hitler dira sur l'homosexualité de Rome « Pourquoi me mêlerais-je de la vie privée de mes lieutenants ? Tout ce qui m'intéresse, ce sont les services qu'ils peuvent rendre à la cause. Et même en dehors des hauts faits de Rome, je sais que je peux compter entièrement sur lui. » Pour information, Hindenburg ne voudra plus voir Rome et le général von Epp lui passera un savon. Goebbels dira également sur ce sujet « C'est répugnant. Hitler fait quand même trop peu attention à ce genre de choses. Le parti ne doit pas devenir l'Eldorado des ressortissants de l'article 175. » L'article 175, pour information, est l'interdiction de l'homosexualité en Allemagne. Cela est puni d'emprisonnement. Donc, ces accusations d'homosexualité creuseront un peu plus le fossé entre les SA. Les SA de Sten appellent Röhm, Rohrbein et Ernst la triple alliance homosexuelle. Par exemple, lors des bagarres, des insultes homophobes sont lancées, comme par exemple, un certain Walter Bergmann du groupe Sten dira « Regardez les parasites de la fête, ces garçons de poupées, ces maudits enculés qui gâchent la bonne réputation de la fête. Là, ils sont assis, tous les deux, ces cochons gays. » Par la suite, le groupe Sten, voyant que Röhm est toujours en activité après l'étalement de sa vie privée interdite par l'article 175, une tentative d'assassinat sur Röhm est projetée en juillet 1931. Elle sera empêchée à la dernière minute par les SS et les SA dévoués. Hitler, malgré la crise, ne va pas à Berlin et l'interdit à Goebbels. Ils utiliseront la presse pour rallier les autres SA à leur cause, ce qui fonctionne. La police évacue les SA rebelles des bureaux du parti et de Landgriff. Sten tente de résister avec un nouveau journal, Ouvriers, Paysans, Soldats. Goebbels pense que la révolte SA est un complot extérieur. Il dira « Qui sait quelle puissance d'argent se tienne à l'arrière-plan ?» À la grande joie d'Hitler, Schulz, avec l'aide de son réseau d'espions, ramènera le calme au sein de la SA. 4000 hommes qui suivaient Sten ont adressé leur allégeance à Hitler, et 500 ont été virés. Pour calmer également les SA, Röhm signe un accord avec la Reichswehr, fin mars 1932. Un accord de collaboration entre les SA et les gardes frontières est signé. Donc les SA seront auxiliaires de l'armée régulière pour tout ce qui touche les zones frontalières. Bien que la SA se calme, il y a des tensions entre les SA sur l'homosexualité de Röhm. La police enquête sur Röhm et la SA en général sur la base de l'article 175. Les SA continuent leur combat de rue contre les Rouges et dans certaines occasions, des violences sont signalées dans les quartiers juifs. Par la suite, les SA seront interdits d'uniforme et même complètement interdites en avril 1932. Mais en mai 1932, après un changement de gouvernement, elle sera de nouveau autorisée, ainsi que les uniformes. La Bavière, exceptionnellement, malgré l'autorisation de l'État, refuse la levée d'interdiction. Lorsque Hitler devient chancelier de l'Allemagne, les SA se lâchent en violence. Ils seront les maîtres incontestés des rues. La victoire d'Hitler sera leur victoire. Ils s'en prendront à tout le monde, aussi bien communistes, juifs qu'à rien. En cette année 1933, les SA sont au nombre de 1,5 million et 50 000 d'entre eux deviendront auxiliaires de police. Il faut dire qu'avec le parti au pouvoir, la tâche de la police sera insurmontable. L'objectif du parti étant de mettre un terme aux communistes, la police aura besoin de renforts. Donc les SA vont soutenir la police. Bien que les SA ne doivent obéir qu'aux policiers, qui lui seul a le droit d'arrêter telle ou telle personne, les SA se sont vite sentis pousser des ailes. Sous la direction de von Eldorf, Ernst, Heinz et Heidbreck, les SA pratiquent les arrestations abusives. Juifs, opposants politiques, citoyens lambda, avec lesquels les SA voulaient régler de vieilles fractures.
Le fait que la personne ne dise pas à Hitler le rend tout de suite suspect. Toutes ces personnes sont amenées dans des prisons de fortune, entrepôts, caves, maisons abandonnées. On estime que 150 prisons de fortune existent en Berlin. Et quand on dit prison, on peut dire site de torture. La police recevra des appels de la population pour se plaindre de bruit, de cris et de hurlements de certaines de ces maisons. Il y a même certains témoignages de voisins qui disent que des personnes se défenestrent. Nous avons un exemple d'intervention raconté dans les rapports de police. Les policiers interviennent pour libérer les malheureux et constatent que les SA sont nombreux et qu'ils sont armés. Les policiers encerclent les maisons et les menacent d'utiliser des grenades à main. Le ministre de Prusse, Hermann Göring, a donné des consignes claires. Si lors d'une intervention, il y a résistance, les policiers ont le droit d'utiliser les armes appropriées pour mater l'opposition. Göring dira également que ce n'est pas le policier qui tire, mais lui. Les policiers, après avoir négocié avec les chefs de la SA, obtiennent la libération des détenus, en promettant que les prisonniers seront conduits en garde vue. Les policiers rapporteront que les prisonniers étaient détenus dans des placards et affamés. Ils recevaient à tout moment de la journée et de la nuit des coups de barre de fer, de matraques et de fouets. Les policiers ont constaté des dents cassées, des os cassés, plaies purulentes, des marques bleues, jaunes et vertes de la tête aux pieds, des yeux bouffis, des nez en sang. Les prisonniers ont dû être transportés jusqu'au véhicule d'urgence en civière. Ils ne pouvaient plus marcher. Dans les camps officiels de l'État, ce n'est pas mieux. Edmund Heinz, chef de la SA de Silésie, a mis en place le camp de concentration d'Uriegau, réputé pour sa brutalité et les tortures qui y sont appliquées. Heinz a même la réputation d'avoir été chercher certains prisonniers enfermés dans les prisons de l'État pour les emmener dans son propre camp. Un témoin dira que les prisonniers sont méconnaissables. Leurs habits sont en lambeaux et leurs visages ne ressemblent plus à des visages, mais à des grosses citrouilles, tellement leurs têtes ont doublé de volume. Les chefs SA profitent de la peur des gens pour s'assurer des postes confortables. Par exemple, ils vont pouvoir prendre le poste de maire dans certaines mairies. Les maires ayant reçu des menaces des SA démissionnent immédiatement de leur poste. Hitler est semble-t-il au courant de ces agissements, mais laisse faire. Le but est d'avoir des sympathisants du parti partout. Et les SA méritent bien des récompenses pour les services rendus. Les SA seront également employés le 1er avril 1933. Lors du boycott des Juifs, il y aura un SA devant chaque boutique, chaque cabinet d'avocats et chaque cabinet médical. Le but étant d'inciter la population à ne pas rentrer dans les bâtiments et en même temps les protéger contre tout débordement de la population. La presse ayant excité la population, des risques sont à prévoir. Mais tous les détails seront abordés dans la série « Les Juifs sous le Troisième Reich ». Pour information, 150 SA réputés pour leur brutalité et leur cruauté sont recrutés par Göring pour ouvrir un nouveau département de la police, la célèbre Gestapo. Pour cette année 1934, la SA est composée de 3 millions d'hommes et elle est au summum de sa puissance. Elle est toujours aussi violente, même Hitler n'est plus écouté. Il donne des ordres clairs, comme quoi la SA doit être moins violente et qu'elle doit arrêter les violences contre les ressortissants étrangers, par exemple américains ou anglais. Rome laisse faire la SA pour mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il cède. Rome veut que la SA intègre l'armée et qu'il devienne le commandant suprême de l'armée. L'armée refuse son offre. Le gouvernement refuse. Hitler lui-même refuse de suivre son vieil ami dans cette voie. Rome, qui on peut dire est visionnaire, sait que les officiers de l'armée peuvent trahir Hitler à la première occasion et que pour cette raison, des SA fidèles au parti doivent prendre leur place. De plus, Rome veut écarter l'entourage influent qui gravite autour d'Hitler. La SA rentre dans sa quatrième grande crise. Rome et des hauts gradés de la SA envisagent de faire un coup d'État. Le but, éliminer l'entourage d'Hitler et laisser Hitler au pouvoir. Si Hitler pose problème, l'ordre est de se débarrasser de Hitler. Nom de code de l'opération, les longs couteaux. Donc, entre guillemets, pour la nuit des longs couteaux, cela sera un bref résumé parce que, lors de la chronologie d'Hitler, cela fera l'objet d'un épisode complet et détaillé. Donc, Hitler est au courant du moindre fait et geste des futurs putschistes. Göring et Himmler, avec leurs groupes de renseignement respectifs, le renseignent en permanence. De plus, le président Hindenburg met la pression à Hitler. S'il n'arrive pas à calmer la SA, il s'en occupera lui-même avec l'aide de l'armée.
Hitler craint une guerre civile, ce qui sera la fin de sa carrière et certainement du parti. Hitler décide d'intervenir avant que le coup d'État ait lieu. Les SS arrêtent les SA complotistes et les exécutent. Cet événement sera connu sous le nom de la nuit des longs couteaux. Lors de cette journée, une cinquantaine de SA, dont Röhm, seront exécutés, ainsi qu'une quarantaine d'autres partisans du putsch. Hindenburg félicitera Hitler pour cette action. Hitler en sera blasé pendant plusieurs mois. La population, elle, sera contente, car la SA abusait, et il fallait les calmer. Et cela a réussi. Du plus bas échelon au plus haut échelon, tout le monde est calmé. La SA continuera ses missions, mais ne fera plus parler d'elle. Tout le monde est rentré dans le rang. Les gens continueront à les voir, comme par exemple lors des Jeux Olympiques de 1936, mais en tant que force de l'ordre. Les gens ne les craignent plus, et savent que la SA est là pour veiller contre tout débordement. Le seul débordement qui aura lieu, auquel les gens se souviendront des plus pénibles moments, c'est la nuit de Cristal en 1938, où les SA saccageront des magasins juifs et non juifs. Cela aussi fera l'objet d'un épisode complet par la suite. Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la SA perdra plus de 2 millions d'hommes. La raison est que les SA s'engagent dans l'armée. Il faut dire qu'avec leur entraînement, ils ont été préparés à ce genre d'événement. Les SA qui resteront au pays continueront leur travail. De plus, ils seront amenés à chasser les partisans dans les frontières du Reich. Par la suite, ils formeront les civils au maniement des armes pour lutter contre l'invasion ennemie. Ils lutteront également contre les forces d'invasion. La SA s'éteindra le jour de la capitulation des forces du Troisième Reich. On peut dire que la SA est née et morte en même temps que le parti. Après la capitulation de l'Allemagne, le Conseil de contrôle allié interdit la SA. En 1946, le Tribunal militaire international de Nuremberg a jugé que la SA n'était pas une organisation criminelle. Mais la SA est vue comme une association utilitaire allemande. Dans le cadre de la dénazification, les SA du plus petit échelon au plus grand échelon ne risquent rien. Et les SA qui n'étaient pas membres du parti peuvent se présenter à des postes municipaux. La raison, c'est que la SA est jugée à partir de 1933, en sachant qu'à partir de 1934, après la nuit des longs couteaux, la SA n'a aucun poids politique et les SA n'ont aucun de leurs membres haut placé dans l'appareil politique nazi. Pour cela, la SA est vue comme une simple troupe. Ils diront également que beaucoup de SA se sont engagés par peur des persécutions qu'ils auraient pu subir en raison de leurs compromissions politiques passées. Donc, une déclaration de criminalité atteindrait des millions d'individus, dont plusieurs centaines de milliers de membres n'étaient que des moutons. Ils n'ont pas pu être nommés complices et responsables des actes du gouvernement parce que l'ESA doit savoir qu'il participe à un complot criminel ou qu'il appartient à une association criminelle. Et une organisation ne peut être jugée pour quelques éléments faibles par rapport à la population totale de l'ESA. La raison aussi, c'est qu'il ne doit pas avoir de représailles de masse, mais que les chefs qui sont responsables doivent eux être les responsables. Émile Maurice est le premier commandant de l'ASA, alors que l'ASA ne comporte que quelques hommes. Il est rentré dans le parti quasiment en même temps qu'Hitler. Il deviendra justement un grand ami d'Hitler et deviendra son garde du corps et son chauffeur. C'est même lui qui commencera à écrire Mein Kampf en prison avec Hitler. Il est choisi comme premier commandant de l'ASA parce que c'est l'un des premiers à se jeter dans la bagarre. Il aura une relation avec la nièce d'Hitler, ce qui brouillera les deux amis. Par la suite, il intégrera la SS et travaillera pour la Luftwaffe. Particularité, il est demi-juif. Hans Ulrich Klintz, homme mystérieux de la brigade Erhard et du groupe Consul. Il est soupçonné dans le meurtre d'hommes politiques. Il sera proposé par le capitaine Erhard en personne. Il essaiera de tenir les troupes et d'engager des jeunes. Il écrira dans le journal Beobachter pour recruter des jeunes. Finalement, il ne sait pas tenir la troupe et il quittera son poste. Et par la suite, travaillera également dans la Luftwaffe en tant que pilote d'avion de secours. Hermann Göring, héros de la Grande Guerre et médaillé de l'Ordre du Mérite. Il n'hésite pas à en venir aux mains avec qui n'est pas d'accord avec lui. Il donnera une allure
d'armée à l'ASA. Hitler sera très content d'avoir trouvé Göring pour être commandant de sa SA. Sa femme Karine écrira à son fils « Aujourd'hui, le bien-aimé, donc en fait le bien-aimé c'est Göring, a fait défiler son armée de vrais jeunes Allemands devant son Führer. Et j'ai vu son visage s'illuminer en les regardant passer. Le bien-aimé a travaillé si dur avec eux, a inculqué tellement de courage et d'héroïsme en eux, que ce qui était autrefois une racaille, parfois rude et plutôt terrifiante, s'est transformé en une véritable armée, une bande de croisés impatients, prêts à marcher sur les ordres d'Hitler pour rendre ce pays malheureux une fois de plus libre. » Hitler dira également sur Göring, « Je lui ai donné une racaille ébouriffée et en très peu de temps, il avait organisé une division de 11 000 hommes. Il est le seul chef des SA à diriger correctement la SA. » Lors du putsch des brasseries, Göring est blessé et fuit l'Allemagne. Lorsqu'il revient en Allemagne, la place de commandant SA n'est plus disponible. Donc Göring aura énormément de titres lorsque Hitler deviendra chancelier et ce sera le second d'Hitler. Donc Göring dira par la suite, « Après avoir utilisé le mouvement pendant 10 ans, je me suis battu pour le rendre illégal avec un succès croissant. Une marche sur Rome, il ne devrait pas y en avoir. Plutôt, la tâche du national-socialisme est de conquérir le pouvoir avec le scrutin. » Donc, avec cette phrase et ses actes, l'ancien commandant de la SA cherche à la dissoudre. Parce que il verra très bien qu'il n'arrive plus à tenir la SA. Donc quand il dit une marche sur Rome, c'est une marche sur Berlin. C'est parce qu'il prend l'exemple de Mussolini avec ses chemises noires qui ont marché sur Rome. Franz Pfeffer von Salomon. Médaillé de la Grande Guerre, résistant face à l'occupation de la France, Franz Pfeffer von Salomon est le premier vrai commandant de l'ASA, les précédents étant commandant dans Munich ou dans la région de la Bavière. Lui, il est le commandant de l'ASA de toute l'Allemagne. Franz Pfeffer von Salomon décomposera l'ASA en 5 zones, nord, sud, est, ouest et centre pour la zone de Berlin. Franz Pfeffer est un bon choix en tant que commandant, mais un mauvais choix pour le national-socialiste. En effet, Franz Pfeffer von Salomon a des idées de Freikorps. Pour lui, la SA, qui est l'armée, doit être indépendante du parti qui, eux, sont les civils. En gros, ce pourquoi Ernst Röhm avait quitté le parti. Donc, pour les historiens, Hitler s'est mis des bâtons dans les roues tout seul. La doctrine de Pfeffer von Salomon est « La seule forme sous laquelle la SA se présente au public doit être en masse. C'est l'une des formes de propagande les plus puissantes, et la vue d'un grand nombre d'hommes disciplinés, intérieurement et extérieurement, dont le militarisme peut être clairement vu ou ressenti, fait la plus profonde impression sur chaque Allemand et parle à son cœur, dans un langage plus convaincant et plus persuasif que l'écriture et l'oratoire et la logique jamais possible. Le calme et la sobriété accentuent l'impression de force, la force des colonnes en marche. » Donc à partir de ce moment-là, l'ASA suivra cette doctrine à chaque occasion. Lors d'un événement, s'ils ne sont pas assez nombreux, ils feront appel aux villes voisines. Aussi bien qu'un petit mouvement de 100 SA peut se transformer en déploiement de 500 SA passés, avec fanfare et marche au pas, tout cela pour attirer les gens. Franz Pfeffer laissera les révoltes des SA de Stein s'effectuer et donnera raison aux révoltés. Franz Pfeffer sera viré pour certains et pour d'autres il donnera sa démission. Je penche plutôt pour la démission, Hitler n'a pas la réputation de virer les gens de son entourage et surtout directement. Donc il peut passer, imaginons pour virer un sergent, il va passer par un officier, ça n'y a pas de souci, ou il va laisser l'officier le virer lui-même. Mais Hitler, comme Franz Pfeffer von Salomon est juste en dessous de lui, il faudrait que ça soit lui qui le vire. Et Hitler n'est pas réputé pour, justement, comme je vous le disais, virer les gens directement. De plus, Stein, qui est le premier concerné dans les révoltes, lui, n'est pas viré, et il deviendra second de Rome. Donc pour info, Stein est un proche du couple Bechstein, que l'on peut appeler parent de substitution d'Hitler, et c'est Stein qui fera rentrer le jeune caporal Hitler dans les cercles très fermés des officiers prussiens à Berlin. Donc, prochain commandant, c'est Adolf Hitler en personne. Donc après toutes les histoires de SA, il décide de s'occuper des choses lui-même. Donc il sera le grand commandant de l'ASA jusqu'à la fin de la guerre.
Donc en dessous de lui, en attendant, il prendra des commandants de région pour l'aider dans sa tâche. Donc par la suite, Ernst Röhm, sur la demande d'Hitler, devient commandant de l'ASA, donc commandant d'état-major, en sachant que Hitler étant le commandant suprême, Ernst Röhm sera en dessous d'Hitler. Donc il revient de Bolivie sur la demande d'Hitler et il crée un nouveau grade juste pour lui, pour se différencier des autres commandants qu'Hitler a choisi pour l'aider dans cette tâche. Et il dessinera lui-même la forme du grade qui, d'après les informations, est un grade pris sur les officiers boliviens. Donc cette fois-ci, Ernst Röhm suit les idées d'Hitler et s'arrange pour que l'ASA soit moins violente et il réorganise un peu l'ASA après les révoltes. Il prendra justement, comme je vous l'ai dit, Stein en tant que second pour justement aussi l'avoir à l'œil, ce qui n'arrangera pas les choses. Là aussi, Ernst Röhm se mettra des bâtons dans les roues tout seul parce que Stein profitera de cette situation pour pouvoir accuser Ernst Röhm d'homosexualité. Donc, bien que Ernst Röhm tient les SA d'une poigne de fer, les casseroles qui le suivent sur l'homosexualité feront qu'il perdra de son aura devant les SA et cela divisera encore les SA. Donc au début sur son homosexualité, Ernst Röhm démentira et lorsque les preuves viendront vraiment l'accuser et qu'il ne pourra plus nier, il acceptera son sort et dira aux gens que oui, il est homosexuel et que ce n'est pas un problème. Donc une fois que Hitler devient chancelier, Ernst Röhm rêve que l'ASA soit intégré dans l'armée et que lui-même devient le chef suprême de l'armée, donc ministre de la guerre. Donc proposition refusée par tout le monde, le gouvernement, l'armée et Hitler lui-même. Et de ce fait, Röhm laisse volontairement l'ASA abuser de violence et par la suite, il organise un putsch et sera abattu lors de la nuit des longs couteaux. Donc après Ernst Röhm, c'est Victor Lutz qui deviendra commandant de l'ASA, en sachant que Victor Lutz était présent avec Hitler lors de l'arrestation d'Ernst Röhm, et c'est aussi Victor Lutz qui balançait tout ce que Ernst Röhm disait sur Hitler en mal. Donc pour beaucoup, Victor Lutz est un opportuniste, donc il est borgne, et d'après les informations, il a une voix désagréable. Donc c'est un proche de Goebbels, bien que de temps en temps Goebbels dit du mal de lui, et comme je vous l'ai déjà dit, Goebbels, quand la personne est bien, il dit du bien d'elle, mais quand ça va pas, il n'hésite pas à dire du mal sur la personne. Donc le choix de Lutz aussi est qu'il a aidé Pfeiffer von Salomon à organiser l'ASA, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, et puis c'est un national-socialiste fanatique. Et lors de la nuit des longs couteaux, également, Lutz aide Himmler et d'autres à rédiger la liste des SA à être exécutée, ce qui fait que les hommes de la SA le détesteront par la suite. Donc Lutz dira, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire, pour que ma position n'ait plus rien d'équivoque, que je ne parle jamais en tant que membre des SA, mais d'abord en tant que national-socialiste. Non seulement les SA ne peuvent pas être indépendantes du mouvement national-socialiste, mais elles doivent encore en être un élément. Donc, il a tout de suite mis les points sur les i pour les SA. Donc, comme je vous l'ai dit, les SA le détesteront et ne le respecteront pas. Pour exemple, il y a l'histoire très connue, comme quoi Victor Lutz avait parlé lors d'un meeting, et lorsqu'il a pris la voiture pour partir, les SA n'ont pas fait de place dans la foule, et Victor Lutz a été bloqué dans la foule. Ils l'ont laissé se débrouiller. De plus, les SA peuvent détester Victor Lutz parce que il met en place tout un tas de règles qui ont été ordonnées par Hitler, mais les SA voient plutôt lui plutôt que Hitler. Et par exemple, il y a l'homosexualité qui est interdite dans la SA. Les SA ne peuvent plus être alcoolisés. Fin des beuveries et des fêtes, etc., etc. Donc forcément, un SA, s'il ne travaille pas, peut boire comme il le veut, mais dès qu'il prend son service, l'alcool est strictement interdite. Et ironie de l'histoire, Lutz est devenu alcoolique parce que justement, il est détesté par toutes les personnes qui l'entourent dans son travail. Il aura un accident de voiture avec sa famille le 1er mai 1943. Et il mourra
de ses blessures le lendemain, le 2 mai 1943, et Hitler sera présent à ses funérailles le 7 mai 1943. Donc, ça sera la fin du commandement de Victor Lutz pour l'ASA. Donc, par la suite, il y aura un commandant, on dira, intermédiaire. Donc, je ne vais pas en parler parce qu'il sera là que quelques semaines pour remplacer le vide. Et le prochain commandant SA, c'est William Shepman. Le dernier commandant de l'ASA prendra ses fonctions en août 1943. Donc, sachant que le Reich vit ses derniers moments, William Shepman mettra tout en œuvre pour que l'ASA intensifie leur entraînement militaire. Et il sera très proche de l'ASS. Il coordonnera des actions SS-SA. Lors de l'invasion, il donnera l'ordre d'intensifier l'emploi des SA et les SA pourront intervenir avec l'armée de terre, la SS, la marine et dans l'armée de l'air. Donc forcément, si le SA est employé dans l'armée de l'air, c'est pas obligatoirement pilote d'avion, mais il peut aider à charger les bombes ou n'importe quel travail qui peut permettre à l'armée d'avancer plus vite. Donc Shepman est en charge de l'entraînement des Volksturm, donc les civils qui se battent sur la fin, donc des vieux et des jeunes. Et c'est la SA qui s'occuperont de leur entraînement militaire. Il terminera son commandement lors de la capitulation de l'Allemagne. Les premiers hommes qui composent la SA d'origine pour protéger la salle et ses leaders sont les premiers membres du parti, ainsi que des clients de la brasserie. Pour info, il n'est pas obligatoire de faire partie du NSDAP pour faire partie de la SA, et vice-versa. Par la suite, les anciens combattants de la guerre 14-18, envoyés par Rome et par le capitaine Erhard, ainsi que des anciens combattants des Freikorps. Il y a aussi, parmi les SA, des militaires d'actifs, comme les hommes du capitaine Erhard. Ils font partie de l'armée, ils sont payés par l'armée, mais ils sont disponibles dès que la SA a besoin d'eux. Il y a également les hommes du Freikorps actif, comme les hommes de Rosbach, qui font partie de la SA, mais ils ont un commandement séparé, commandé par Edmund Haynes. Pour information, homosexuel et grand ami du capitaine Rome. Il y a également des membres de l'organisation consul, anciens marins pour la plupart, spécialisés dans l'assassinat d'hommes politiques, accusés d'être des traîtres à la patrie dans leur façon de voir les choses. Il y a des ouvriers, dont beaucoup sont d'anciens communistes, mais étant patriotes allemands, se sont retournés vers le national-socialiste. Ou des ouvriers, tout simplement, sont partis. Il y a également des femmes dans la SA. La plupart des parcours de ces femmes sont pour l'aide sociale. Quand elles ne sont pas avec la SA, elles sont avec les bonnes sœurs pour aider les plus démunis. Et comme dit dans la chronologie, la plupart d'entre elles servent d'infirmières pour soigner les blessés. Il y a également dans la SA des chômeurs qui profitent des avantages du parti et le commandement profite également d'eux pour avoir une main-d'œuvre constamment à disposition. Goebbels dira « Les chômeurs et les ouvriers n'ont rien et se trouvent plus vite prêts à prendre des risques. Le bourgeois, son éducation et sa formation l'empêchent de s'engager pour un idéal politique avec la même fougue. » Ensuite, il y a les jeunes. Énormément de jeunes. Le parti recherche essentiellement les jeunes. Aussi bien de bonne famille qu'en échec social. Les premiers types de jeunes recherchent la discipline militaire et veulent prouver aux anciens de quoi ils sont capables. En France, les jeunes ne veulent plus de guerre. Les poilus rentrés chez eux, en victorieux, peuvent raconter à leur entourage que la guerre, c'est une belle saloperie. Le soldat allemand, lui, rentre en perdant. S'il dit que la guerre est une saloperie, il sera accusé de ne pas avoir été un bon soldat et qu'il est de ceux qui ont poignardé l'Allemagne dans le dos. Donc, ils racontent leurs histoires comme une aventure. Aventure que tous les jeunes aiment entendre. De plus, ces jeunes peuvent constater la menace qui plane sur leur pays. Ils sont prêts à rejoindre le seul parti qui déclare la défendre et engage des moyens pour la défendre. Le second type de jeunes est en total échec. Son père, comme beaucoup d'autres, revient de la guerre, mutilé ou n'est pas revenu. Il peut constater que son père ou son frère n'a aucune reconnaissance de la nation. Si le père est manquant, ce jeune n'aura aucune image masculine à la maison. Il traîne avec les copains dans une Allemagne qui ne lui donne aucun avenir. À la maison, sa mère et ses frères et sœurs ont faim.
Le pays est en famine, c'est l'inflation. La SA donne l'image du père et de la revanche. Une famille, une solde et un repas. Hitler dira justement qu'il faut occuper les jeunes, leur donner l'ordre et la discipline, et amener l'armée et les anciens combattants à retrouver le respect d'eux-mêmes. Une femme dira « Les rangs du NSDAP étaient pleins d'hommes jeunes, faisant sérieux, ayant adhéré au parti pour militer en faveur de la justice sociale et contre le chômage. On voyait constamment leurs croix gammées peintes sur les trottoirs, qui étaient d'ailleurs souvent jonchées de leurs tracts. On avait l'impression qu'ils étaient d'une énergie inlassable, et on y était très sensible, malgré tout ce qu'il pouvait y avoir chez eux de très discutable. De plus, la SA est constituée de vieux. Quand je dis vieux, ce sont des hommes qui ont passé l'âge de se retrouver dans des combats de rue. Ils sont justement dans la réserve de la SA. Donc, ils sont là au cas où, quand on a besoin d'eux. Et pour finir, dans la SA, il y a les homosexuels. Les ennemis du NSDAP ont accusé les SA d'avoir énormément d'homosexuels chez eux, pour ridiculiser et discréditer le mouvement et empêcher les gens de s'engager. Mais c'est l'effet inverse qui se produit. Dans une époque où les homosexuels ont du mal à se trouver et que cela est puni par la loi, cet endroit est un Eldorado. Il y aura énormément d'homosexuels qui rejoindront les rangs de la SA. Hitler dira sur l'homosexualité des SA « Mes plus fervents participants ne doivent pas être des hommes ayant femmes et enfants. Les pères de famille ne valent rien dans les combats de rue. » Les missions des SA sont diverses et variées, et vont évoluer avec le temps. Au commencement, cela sera la surveillance de la salle, et par extension, celle des personnalités. De ce fait, un corps spécial pour la sécurité des personnalités sera créé, la Schutzstaffel, escadron de protection, plus connu sous les initiales SS. N'oublions pas que les SS dépendent de la SA. Himmler sera sous les ordres de Röhm jusqu'en 1934. Les SA auront également comme mission la distribution de tracts, d'affichage, de fiches de propagande, porteurs de pubs électorales, récolter des fonds dans la rue, et les SA organisent les dimanches, sur la place des villages et des villes, des spectacles. Il y a des orchestres, et les SA font des démonstrations de techniques d'autodéfense, organisent des loteries, il y a des projections de films, et des spectacles militaires, des sortes de manœuvres militaires. Ils sont également accompagnés par la jeunesse hitlérienne qui présente des spectacles aux gens. Donc il faut savoir que quand je vous parle des SA et de leur mission, les jeunesses hitlériennes ont les mêmes. Bien entendu, les jeunesses hitlériennes ne vont pas dans les combats, mais dès qu'il s'agit de distribuer des journaux ou des tracts, etc., les jeunesses hitlériennes participent. Les SA travaillent également dans les fermes pour éviter que les fermiers ne recrutent de la main-d'œuvre polonaise qui est moins chère. Donc les SA travaillent gratuitement contre un toit et de la nourriture. Donc il faut savoir que c'est une sorte de contrat que le fermier passe avec la SA. Tant que la situation est difficile pour le fermier, il engage les SA à son service, mais il ne faut pas qu'il abuse. Lorsque sa situation financière redevient correcte, il faut que le fermier emploie un jeune Allemand dans sa ferme. Parce que s'il ne respecte pas les règles et qu'il essaye de rouler les SA, il y a de grandes chances que sa ferme finira par brûler ou il y aura des problèmes. Donc les SA seront aussi employés par les dirigeants du parti comme force pour mener des exactions contre les partis adverses, les journaux adverses, ou des salles de cinéma, comme par exemple lorsque le film À l'Ouest rien de nouveau sort dans les salles de cinéma, les SA lâchent des souris, des boules puantes dans la salle et viennent faire du grabuge. Donc et après aussi d'autres tâches comme des ménageurs par exemple, dès que un SA ou un chef SA a besoin de main d'œuvre, les SA sont disponibles pour aider. Par la suite, les SA deviendront auxiliaires pour l'armée en tant que garde frontière. Donc leur travail principal, chasser les migrants. Donc nous le verrons par la suite, mais l'Allemagne est envahie d'immigrés et comme il n'y a plus grand monde pour surveiller les frontières, c'est une vraie passoire et les SA viennent aider l'armée. Lors de la prise de pouvoir, 50 000 SA deviendront pour quelques mois des auxiliaires de police,
représenté par un brassard blanc écrit Elbpolizei, donc auxiliaire de police. Donc, petite information, ce service prendra fin à cause des violences exercées par les SA, mais sous la pression de Rome, ce service auxiliaire de police reprendra son travail d'auxiliaire de police, mais cela sera plus encadré. Ils pourront, par exemple, faire la circulation ou procéder à quelques contrôles, mais ils ne pourront plus abuser comme ils le faisaient avant ça. Donc ils auront un uniforme différent des autres SA. Comme vous pouvez le voir sur les photos, ils ont une plaque métallique qui les différencie aussi des autres. Et par la suite, ils seront intégrés complètement à la police. Donc ils ne feront plus partie des SA, mais ils seront bel et bien des policiers. Donc nous avons aussi dans les missions des SA les gardiens de camps de concentration. Donc beaucoup diront que les camps ont été créés plus pour occuper les SA que pour enfermer les opposants politiques. Donc là aussi, par la suite, c'est les SS qui reprendront le flambeau, en sachant que certains SA peuvent rejoindre la SS pour continuer à rester dans les camps de concentration. Ils auront un statut de gardien de camp propre à eux, qui encore une fois les différenciera du reste des SS. Donc ils seront également les garants des lois raciales. Donc les SA ne se gêneront pas pour importuner les juifs ou des Aryens qui sont en couple avec des juifs parce que la loi leur autorise. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les SA serviront à traquer les partisans dans les frontières du Reich en collaboration avec la Gestapo et ils seront également des combattants contre les forces d'invasion. Donc il faut savoir que dans les SA, il y a également des cavaliers, des équipes cynophiles, des transmetteurs, les conducteurs de véhicules en tout genre, voitures, camions, vélos, motos. Il y aura également des marins, des pilotes, des chasseurs alpins. Donc la SA est une véritable armée. Au début du mouvement, les hommes sont tous en civil. Ils se mettent d'accord pour que tout le monde porte un pantalon noir. Pour ceux qui possèdent un uniforme de l'armée ou une partie d'uniforme, ils peuvent les porter. Les gens diront que ce qui différencie les SA de l'armée, c'était le brassard à croix gammée. Un homme riche pouvait équiper 3 ou 4 SA, ou comme Ludeck, qui équipera 100 hommes. Il fera de ces 100 hommes la première troupe d'élite des SA. Elle sera composée de soldats actifs, d'anciens soldats ou d'hommes ayant reçu une formation militaire. Par la suite, en 1925, Rosbach négocie en Autriche pour récupérer des tenues tropicales des colonies du Pacifique pour sa Schillingjungen. Sachant cela, Rome demande à Rosbach de négocier des tenues pour les hommes de l'ASA. Il négociera des tenues des colonies d'Afrique. L'Allemagne n'ayant plus de colonies, suite au traité de Versailles, les tenues prennent la poussière dans les entrepôts de l'armée. Les tenues seront composées de chemises, de shorts et de pantalons de couleur brune, d'où le surnom de chemise brune pour la SA. La casquette, elle, des stocks des chasseurs alpins autrichiens. Là encore, un SA fortuné pourra équiper d'autres SA. Donc là, sur cette photo, vous pouvez voir les différents uniformes. Le civil à pantalon noir, le civil avec une moitié de tenue militaire, le SA en tenue militaire et le SA avec la tenue brune. Par la suite, les SA posséderont des couleurs sur leur col et leur casquette. Cela permettra de différencier les SA en fonction des régions. Exemple, vert Thuringe, bleu Essen, noir Berlin, etc. Quand la SA sera unifiée, les couleurs serviront à différencier les différentes unités. Exemple, chasseur alpin rouge, il y a aussi une variété de rouge pour l'état-major, le jaune pour la transmission, le bleu le médical, etc. Donc, après, il faut savoir que sur le col, il y peut y avoir un petit dessin qui signifie la spécialisation du SA, plus des numéros qui permettent aux gens de savoir de quelle ville il est, de quelle unité, etc. Les grades sont portés sur le col également et sur les manches. Donc, sur le col, c'est un petit losange gris. Donc, c'était pour se différencier de l'armée. Et sur les manches, c'est
des lignes, et les lignes peuvent signifier, pour compléter le grade, combien d'années la personne est en service dans l'ASA. Quand les chemises brunes seront interdites, les hommes porteront des chemises blanches ou baladeront torse nu. Pour l'équipement de l'ASA, il est similaire aux soldats, donc ils ont les ceinturons. Donc il faut savoir que les premiers SA possèdent un ceinturon avec une croix gammée qui est similaire à celle de l'ordre de Tulé, mais par la suite, les croix gammées seront comme nous la connaissons. Donc les SA posséderont aussi une dague pour les cérémonies, ils posséderont des sacs à pain, des gourdes, des gamelles, des sacs, des tentes, des casques pour les combats, des pansements, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, le SA est similaire aux soldats. Les armes de l'ASA sont diverses et variées. Et lorsque leurs missions évolueront, leurs armes évolueront par la même occasion. Donc, lors des rassemblements ou pour les bagarres de rue, le SA se sert de ses poings, que nous pouvons considérer comme des armes, parce que les SA s'entraînent à la boxe avec des champions. Ils s'entraînent également aux arts martiaux, ainsi qu'aux techniques d'autodéfense. Ils peuvent également utiliser leur ceinture, donc il semblerait que la boucle est particulièrement lourde, et qu'ils utilisent comme arme des coups de poing américains, des matraques, des bouts de câble, des fouets en cuir, clés à molette, canifs, donc tout ça ce sont des armes de corps à corps, et pour les attaques à distance, ils utilisent des boules de billard, des frondes et un Stahlruten. Donc c'est un court tuyau ouvert d'un côté et à l'intérieur duquel il y avait un ressort auquel est attaché des billes d'acier. Le tuyau servait de manche, le ressort et les billes constituer l'arme. Quand on lançait le tuyau en avant, les billes sortaient au bout du ressort et frappaient avec force. Donc il y avait de l'imagination derrière. Et de plus, les SA dans les brasseries par exemple pouvaient utiliser des pieds de table, des pieds de chaise ou des verres, bon, tout ce qui leur tombait sous la main. Surtout que quand nous parlons de brasseries allemandes, il faut savoir que les verres, c'est des gros verres assez lourds, ce qui cause de gros dégâts quand la personne le reçoit. De plus, le SA utilise sa dague. Donc il faut savoir que les SA ont une dague pour les cérémonies. Généralement, la dague est offerte au SA lors de son anniversaire ou d'une fête par ses collègues. Et sur la dague, il y a son nom, son prénom, son grade, et il peut y avoir un message dessus. Donc à une certaine époque, il y avait un message de Rome qui a été finalement remplacé après la nuit des longs couteaux. Donc cette dague est une dague de cérémonie, mais les SA l'utilisent aussi lors de combats. Donc pour les armes un peu plus dangereuses, il y a aussi le pistolet qui est utilisé en dernier recours. Donc quand les SA sont moins nombreux que le camp d'en face, ils peuvent utiliser le pistolet et voir dans certaines occasions la grenade à manche. Donc d'après les informations que l'on a, dès qu'une grenade était lâchée et qu'elle explosait, cela avait pour effet de calmer tout le monde. Et par la suite, lors de putsch ou lorsqu'ils serviront de maintien de l'ordre ou lors des combats de la fin, les SA seront équipés de fusils, de mitrailleuses lourdes, de mortiers, de canons. Mais ces armes lourdes ne sont pas vraiment au SA, ils sont plus prêtés par les Freikorps au moment du putsch ou par l'armée lors des invasions alliées. Les SA disposent d'un service social qui peuvent leur venir en aide en cas de difficulté. Cela peut être le fait d'aider un père de famille dans la difficulté ou trouver un logement pour un jeune qui n'a pas d'endroit où dormir. Pour cela, le parti dispose de maisons ou de bâtiments où le SA peut loger avec d'autres hommes comme lui. Donc avantage pour le parti, les hommes sont disponibles jour et nuit.
De plus, un jeune peut quitter le domicile de ses parents du jour au lendemain. L'ASA lui donnera un toit, de la nourriture, et l'ASA sera sa famille de substitution. L'ASA dispose également d'une soupe populaire, où tout SA peut venir manger, mais également toute personne qui le désire. Dans certains endroits, les SA virent les personnes qui ne sont pas du parti. Mais le parti est contre cette pratique. L'ASA dispose également d'une sorte de pôle emploi. Donc à l'époque, il faut savoir que les hommes vont dans un bâtiment, on appellera pôle emploi, et ils restent toute la journée en attendant que quelqu'un a besoin d'eux. Et les bagarres sont courantes, car les hommes de tous les partis sont présents, et donc le fait d'attendre et de fumer cigarette sur cigarette, cela arrive souvent que les hommes se regardent de travers et que cela part en bagarre générale. Donc pour cela, le parti crée leur propre pôle emploi. Donc les avantages, c'est qu'ils évitent des bagarres inutiles, qu'ils sont dans le social, et encore une fois, ils ont des hommes à portée de main. La SA dispose d'un service médical. Les SA disposent d'infirmiers et de brancardiers et de médecins lors d'affrontements. Ils ont également des hôpitaux privés parce que les SA se plaignaient que dans les hôpitaux, les médecins ne les soignaient pas parce qu'ils étaient juifs et que les infirmiers non plus ne les soignaient pas parce que c'était des sociaux-démocrates. Donc, le SA peut consulter le médecin, même s'il n'y a pas eu de bagarre, s'il est malade ou quoi que ce soit, ils peuvent consulter les médecins gratuitement. En 1926, l'ASA se dote d'une assurance pour indemniser ses membres blessés dans les combats de rue ou en cas de décès, leur famille. Elle n'est pas obligatoire, mais le devient par la suite. C'est Martin Bormann qui dirige ce service. L'ASA dispose d'un service armurerie. Donc l'ASA dispose de plusieurs armureries cachées, parce qu'au début, c'est un mouvement qui ne va pas avoir d'armes. Donc les endroits sont des fermes, des entrepôts de chemin de fer, à savoir qu'il y a énormément d'employés des chemins de fer dans l'ASA. Et c'est Himmler qui, à ses débuts dans le parti, vérifie les stocks d'armes et leur entretien, en sachant que ces caches d'armes sont connues de peu d'hommes, et c'est Röhm qui a organisé ces caches. Donc l'ASA également a un service du garage, dirigé par Adolf Humlein. Donc ils ont au début, pareil, quand le mouvement est caché, ils ont plusieurs véhicules à disposition, cachés dans les fermes et les entrepôts. Donc cela va de la voiture au camion, en passant par quelques motos, des vélos, et ils sont sortis dès que le parti en a besoin. Donc ces véhicules sont reconnus par des petites plaques, comme vous pouvez voir sur les photos. Donc c'est pour que les SA sachent que c'est un véhicule de l'ASA. Et ils peuvent avoir aussi un fanion avec un petit logo SA au-dessus, encore une fois, pour que les SA puissent reconnaître leur véhicule. Et les SA se dotent aussi d'un service des personnes recherchées. Donc ce service permet de cacher des hommes recherchés par la police et la justice, en sachant que des policiers sont complices et donnent les infos à ce service des personnes recherchées. Donc ce service permet d'envoyer un véhicule, par exemple, chercher la personne recherchée et de l'envoyer dans une ferme ou un bâtiment quelconque pour se cacher. Et ce service permet également justement de nourrir la personne qui est cachée, de lui fournir des affaires, de l'argent peut être aussi donné à la personne. Et cette personne aussi, même si elle est cachée, peut toujours avoir des nouvelles de sa famille et vice-versa. Donc en gros, ils exfiltrent les personnes. Il y a également le service propagande. Donc le dessinateur est Hans Schweitzer Jolnir. Donc il dessine les affiches de propagande et les cartes postales des SA. Et il dessine aussi dans les journaux des SA. Donc généralement, toutes les images que vous pouvez voir de cartes postales ou de dessins de SA, de propagande, est fait par un service bien spécifique. Donc ensuite, il y a le service des voyages. Donc il faut savoir que dès qu'un SA doit voyager dans le pays, il y a tout un service qui se met en place. Donc on peut lui passer de l'argent, mais aussi
lui trouver des véhicules, des logements. Donc les personnes qui s'occupent de ça, ce sont les employés des postes et les employés des chemins de fer. Donc les employés de chemin de fer peuvent trouver une place dans un train. Par exemple, si la personne est tout seule à voyager et que le contrôleur c'est un SA, la personne peut voyager gratuitement. Si c'est un regroupement de SA, les employés de chemin de fer peuvent affréter un train spécial. Et par exemple aussi, dès que les SA voyagent dans une autre ville, le service des postes peuvent communiquer avec un autre service des postes pour mettre en relation les SA entre eux pour qu'un SA puisse loger des SA chez lui en voyage. Donc, on peut dire que les SA sont très bien organisés dans cette Allemagne d'après-guerre, où le pays est complètement désorganisé. Les SA se retrouvent dans des QG. Donc généralement le QG de la SA, c'est une brasserie ou un bar. Et ils considèrent ça comme un avant-poste de la guerre civile. Le mot d'ordre est vous-même dans chaque rue, si possible, toujours en face d'un bar communiste. Le propriétaire du bar est un sympathisant nazi, ou soit tout simplement quelqu'un qui sait que les SA seront toujours de bons clients. Et d'après les informations de la police, à Berlin, en 1928, il y avait 20 bars, et en 1931, 107. Et les communistes diront qu'il y avait 200 bars. Donc, pour toujours rester dans l'esprit militaire, les SA appellent tout ce qui est lieu de rassemblement entre collègues de travail, par exemple, un Sturm local qu'ils considèrent comme une position fortifiée dans la zone de combat. Donc en gros, c'est un rassemblement SA qui se fait autre que dans un de leurs bars ou brasseries. Et donc, comme vous l'avez compris, pour eux, c'est une position en zone ennemie. Donc, je vais profiter aussi pour dire quelques phrases du jargon SA. Donc, comme à l'armée, ils ont leur jargon, en sachant que je n'en ai pas trouvé beaucoup dans les livres d'histoire. Donc, par exemple, dans leur jargon, les SA s'appellent eux-mêmes des Sud-Africains. Donc, d'où les initiales. Donc, il faut savoir que dans certains livres, par exemple, l'historien reprend le terme sud-africain pour désigner la SA. Donc je précise parce que quand j'étais petit et que je lisais des livres d'histoire, quand je voyais sud-africain, ben je pensais que c'était un Allemand qui vivait en Afrique du Sud et qui était parti en Allemagne pour aider Hitler, etc. Mais non, le terme sud-africain, c'est bien la Sturmabteilung. Un autre jargon DSA, c'est le casino. Donc, dès qu'il y a la mention casino, c'est généralement le mess ou l'endroit où ils peuvent manger. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, ils sont très bien équipés. C'est des cantines extérieures qui proviennent généralement des stocks de l'armée et ils sont nourris grâce à ça. Et certains gradés ont dans des locaux des sortes de mess. Mais ça, c'est pour les hauts gradés. Les SA, dans leur jargon, ils ont l'escadron des bas avarices. Donc cette appellation est pour désigner les femmes admiratrices d'Hitler et généralement en première ligne pour justement qu'ils applaudissent Hitler et que les hommes suivent. Et aussi, s'il y a un agitateur, il doit passer plusieurs rangs de femmes. Donc les SA qui surveillent ont le temps d'intervenir sans être surpris par l'action de l'agitateur. Dans leur jargon, ils ont aussi l'appellation un gamin de 8 sous, et cela désigne un mouchard de la police intégré au parti nazi. Donc, d'autres jargons, pour nommer leur Sturm local ou leur QG, il y a Klotenkarl, Bubi 1, Bubi 2, sac d'aviateur, accélérateur de schnaps, poing de chiffon, Mollenkönig, museau revolver, schiste Müller. Donc après, je vous laisse imaginer pourquoi de tels noms ont été donnés à leur QG. Le SA
est autorisé à porter ses médailles et décorations reçues pendant la Première Guerre mondiale ou pendant les combats des Freikorps. Alors que la République de Weimar demande à ses hommes de ne pas exhiber leurs décorations. Les SA ont leur propre insigne, donc généralement des insignes pour avoir participé à certains rassemblements ou avoir participé à certaines grandes bagarres. Ou même des insignes pour avoir participé à des travaux, on dira d'intérêt général. Donc l'insigne est composé du nom de l'événement et généralement de l'année où a eu lieu cet événement, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et il y a aussi l'ordre du sang, donc généralement c'est pour chaque membre du parti, mais nous pouvons le mettre dans ceux de la SA parce que les personnes obtiennent l'ordre du sang en ayant fait couler son sang ou ayant fait de la prison pour le parti. Donc généralement, cela concerne principalement les SA. Pour ce qui est des drapeaux de l'ASA, tout simplement, les premiers drapeaux sont les drapeaux de la marine impériale. Donc à savoir que les plus grands national-socialistes sont les marins. Donc les premières mutineries après la guerre 14-18 sont venues de la marine. Il y a beaucoup de marins communistes et également beaucoup de nazis. Et même par la suite, la marine sera un des corps militaires où il y aura le plus de fanatiques. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que la SS, mais il y a également la marine. Par la suite, les drapeaux de la SA seront des drapeaux à croix gammée. Et dans le coin supérieur du drapeau, il y a le nom de la ville où l'unité est en fonction. Et de l'autre côté du drapeau, pareil dans le coin, c'est le numéro de l'unité en question. Donc par exemple, le numéro sera inscrit dans un carré noir pour la ville de Berlin, parce que, rappelez-vous, sur les uniformes SA, le noir, c'est la ville de Berlin. Donc il y aura le numéro qui suivra, sera le numéro de la SA, du quartier, comme par exemple le numéro 33 pour Berlin, c'est le quartier de Charlottenburg. Et l'autre numéro, c'est le numéro, en gros, on pourrait dire, de la section ou la compagnie. Si dans le quartier, il y a 4 sections de SA, donc le numéro 1 représentera la première section. Donc, à savoir qu'un drapeau peut représenter plusieurs unités. Donc, les numéros des unités seront les uns en dessous des autres. Ou quelquefois, s'il y a une restructuration et que l'unité change, le drapeau reste, mais le numéro sera inscrit encore une fois en dessous du premier numéro. Et si l'unité SA a eu un bon comportement et s'est distinguée, le drapeau en question de cette unité SA sera exposé pendant un an dans la Maison Brune. Donc, il faut savoir que ces drapeaux en question doivent tous passer par Hitler. Donc, lors de cérémonies, Hitler touche le drapeau du sang, donc le Blutsfahne, avec une main et l'autre drapeau d'une autre main. Ou bien les drapeaux peuvent se toucher. Donc le Blutsfahne, c'est le drapeau qui a été ramassé après la fusillade du putsch des brasseries en 1923. Et ce drapeau est recouvert du sang de certaines personnes qui étaient présentes. Et ce drapeau a été récupéré par la suite et remis à Hitler après sa sortie de prison. Donc pour Hitler, c'est la relique la plus sacrée du parti nazi. Et comme je vous l'ai dit, chaque drapeau de SA doit passer par cette cérémonie, sinon l'unité n'est pas officielle, on dira. Et pour information, ce drapeau, le Blutsfahne, est porté par Jacob Grebinger. Donc c'est un personnage qui aura fait le putsch aux côtés d'Hitler, et généralement il est toujours dans les cérémonies avec le drapeau. Donc en sachant que ce drapeau, entre parenthèses, va être emmené dans plusieurs cérémonies, pas que des cérémonies représentant les SA. Donc, pour finir sur les drapeaux, quand vous voyez énormément de drapeaux dans les rues portés par les SA, ce n'est pas des personnes qui ont décidé de porter le drapeau, c'est vraiment le drapeau de chaque unité. Donc cela fait penser à l'époque féodale, où les drapeaux représentaient des seigneuries ou des chevaliers, et cela aussi
est fait pour montrer le nombre d'unités présentes lors des cérémonies, lors des défilés. Et par la suite, les drapeaux seront portés en mode romain de l'Antiquité, avec le nom de l'unité et le nom de la ville que le drapeau représente. Au début, les SA trouvent des informations les concernant dans le Volkischer Beobachter. Il y a toujours une ou deux pages pour leurs exploits ou de futurs rassemblements, sous la rubrique Der SA-Mann. Par la suite, il y aura deux journaux consacrés entièrement aux SA. Ils porteront le nom de Der SA-Mann, donc ça sera pris des pages du Volkischer Beobachter, et il y aura le journal La SA. Donc ces revues ou journaux parlent entre autres de leurs droits, d'entraînement ou de techniques, de combats qu'ils peuvent apprendre ou suivre, de rassemblements, de sports, etc. Donc, par exemple, nous avons une citation d'Hitler dans le SA-Mann. Il dit « L'enfant entrera dans le Jungvolk et le jeune garçon dans la jeunesse hitlérienne. L'adolescent de la jeunesse hitlérienne entrera dans les SA, les SS et les autres formations. Les hommes des SA et des SS iront un jour au service du travail et de là à l'armée. Et les soldats du peuple reviendra dans l'organisation du mouvement du parti dans les SA ou les SS. Ainsi, notre peuple ne pourra plus déchoir comme il l'a fait malheureusement dans le passé. » Donc, ce qui peut être intéressant, entre guillemets, dans cette information, c'est que Hitler ne voit pas la SA ni la SS comme une force armée et il différencie bien leur rôle. Donc, en gros, cela fait penser un peu aux Spartiates. Ils naissent, ils sont des citoyens, ils vont à l'armée jusqu'à une certaine période et ensuite ils redeviennent citoyens. Cela veut dire que chaque homme citoyen a été militaire et tout le monde a suivi la même doctrine. Donc cela est un peu l'idée annoncée par Hitler. Donc il y a de nombreux livres sur l'ASA. Il y a entre autres Combat pour Berlin de Goebbels. Donc là il explique son arrivée à Berlin et de comment les SA se sont battus pour Berlin. Bon, dans le livre il parle beaucoup de lui, mais il donne beaucoup d'informations sur l'ASA. Donc après il y a le livre Une lutte pour l'Allemagne, ou le combat pour l'Allemagne, en fonction de la traduction. Donc le livre dit en gros que les communistes sont les méchants et que les SA luttent contre eux. Il y a Insurrection armée. Donc ce livre explique entre autres les troubles sociaux par les agitateurs communistes, la destruction de l'art allemand et que l'Allemagne est attaquée de l'intérieur comme la Russie. Et ils expliquent que les braves SA ont combattu dans les villes allemandes les communistes dans de sanglantes mêlées. Il y a dans ce livre des photos de morts et de blessés en gros plan, etc. etc. Donc il y a beaucoup de livres sur l'ASA. Il y a encore un livre de Goebbels qui parle de l'ASA. Cela s'appelle L'ESA inconnu, un bon camarade pour les soldats de Hitler. Donc là encore, cela parle des combats des SA. Et donc j'ai rajouté dans cette option aussi un petit livret que le SA a sur lui. Donc c'est le livret concernant les règles de conduite honorable et il y a les règles de la SA. Il faut savoir que par la suite, le SA c'est un peu comme le SS, c'est des gens ayant un bon comportement, des chevaliers de l'ancienne époque teutonique. Pour cette catégorie, j'ai mis tous des objets qui tournent autour des SA pour que vous vous fassiez une idée, en sachant qu'il n'y a pas tout forcément, mais cela peut vous faire montrer l'importance de la SA. Donc les SA possèdent des bagues, donc comme vous pouvez voir sur les photos, il y a plusieurs modèles, cela encore une fois pour bien faire montrer que la personne appartient à l'ASA. Ils peuvent avoir aussi des épingles de cravate SA. Une épingle SA, donc c'est reconnaissable à l'aigle. Il faut savoir que les SS ou la jeunesse hitlérienne
possède la même, mais l'aigle est disposé autrement. Un insigne de SA pour vêtements civils. Donc dès que le SA est en civil, il porte cet insigne. Comme ça, il est reconnaissable par ses amis SA. Un insigne SA de sport. Donc le porteur de cet insigne devait passer des tests sportifs très difficiles. Pour la copine, un pendentif SA qui se porte sur bracelet ou autour du cou. Donc cela pour signifier que la jeune fille est prise et que si elle a des ennuis, n'importe quel SA devait lui venir en aide comme si c'était sa copine. Donc en insigne également, les SA des troupes de montagne portaient l'Edelweiss ou le Hochland. Donc tout cela pour signifier qu'ils appartenaient aux troupes alpines. Il y a également l'insigne NSFK, donc c'est un insigne civil, mais si le SA le portait, cela voulait dire qu'il faisait partie d'une section d'aéronefs à moteur. Il y a aussi l'insigne version planeur, là pour dire que le SA dépendait d'une section de planeur ou de ballon dirigeable. À savoir, pour information, que les SA qui participaient à ces cours sur les aérodromes ne pouvaient pas être en uniforme, il fallait qu'ils soient en civil. Le parti voulait être discret là-dessus. Ils ont également des pièces commémoratives de rassemblement, donc ils ont des insignes, mais aussi des pièces commémoratives. Donc, pour les décorations de bureau, nous avons une plaque encadrée relief SA en marche, un aigle en bronze. Pour la maison, nous avons l'album de photos SA, l'oreiller patriotique SA, la taille d'oreiller SA avec les mots du Ortswessel, lead. Il y a le cendrier SA, donc il faut savoir que les SA ont aussi leur cigarette, donc c'est une marque qui a un lien avec la SA. Les SA achètent chez eux et cette marque reverse de l'argent à la SA. Donc gare aux SA qui ne fument pas cette marque de cigarette. Donc de ce que j'ai trouvé par la suite, 4 marques de cigarettes font affaire avec les SA. Donc pour les enfants, il y a le moule à chocolat et le moule à gâteau, la poupée, les soldats en papier et les soldats en plomb. Donc quand je dis à papier, c'est l'espèce de papier avec une sorte d'attache qui tient derrière et les enfants pouvaient jouer avec ces soldats. Et pour les plus petits, un uniforme complet. Donc pour information, quand vous voyez un petit en uniforme comme sur la photo, donc il faut savoir que son uniforme, il l'a acheté chez un marchand de jouets. Donc le marchand de jouets confectionne l'uniforme et même les chaussures. En sachant que les magasins de jouets qui fournissent les SA ont un lien avec la marque de cigarettes. Et là, encore une petite robe pour bébé SA. Et pour la dernière catégorie, c'est la musique. Donc il faut savoir qu'il y a une 60aine de musiques SASS et ils en ont même fait des livres. Donc dans ces manuscrits, la chanson est écrite et il y a aussi les notes musicales. Et la plus célèbre d'entre elles, c'est la Ortswessel. Donc je vais expliquer l'histoire de cette musique et nous allons finir par la musique au complet, sous-titrée. Donc Ortswessel, c'est un jeune homme de 22 ans. C'est le fils d'un ministre luthérien, donc son père est pasteur, et il est chef de la SA 34, donc c'est le quartier de Friedrichshain à Berlin. Il est compositeur et il joue du Schalmein, un hautbois allemand. Donc il loge avec sa copine qui est une ancienne prostituée, Erna Joadnichen, dans un petit studio. Et le 14 janvier 1930, sa logeuse, Elisabeth Salm, va se plaindre dans un restaurant de la Dragonestreis, qui est un lieu tenu par les communistes.
et elle se plaint que son loyer est impayé. Plusieurs rouges se rendent au domicile et Holler et Erwin Ruckets montent les escaliers. Holler a un revolver et le dégaine et frappe à la porte. Wessel ouvre la porte et il se prend une balle dans la tête. Donc en gros, l'histoire c'est que certainement que le communiste a voulu faire peur à Wessel, mais manque de bol, c'était un chef SA, et de voir un pistolet, le mec, bah, il a pas peur, il rentre dans le tas, et le coup a dû partir dans la bagarre. Donc Horst Wessel ne meurt pas tout de suite, il mourra des suites de ses blessures le 23 février 1930. Donc c'est la raison pour laquelle il a été tué, donc c'est le loyer impayé, en sachant qu'il y a d'autres histoires que les journalistes diront à l'époque, comme quoi c'était un règlement de compte entre proxénètes. Comme sa copine est une ancienne prostituée, les journalistes n'ont pas été bien loin, en sachant que Goebbels écrira pour son martyr « Je suis tombé amoureux d'une prostituée et je l'ai retirée de la rue pour la lutte d'un monde meilleur. » Donc, la musique Horst Wessel Lied vient de lui, il l'a écrit, donc il semblerait qu'il a pris l'air d'une musique qui existait déjà, et il a rajouté des paroles, ce qui a donné la chanson que vous allez entendre à la fin de la vidéo. Et c'est celle-là qui restera comme la chanson principale de l'ISA et même des Allemands en général. Donc juste pour finir sur Horst Wessel, parce que dans mes recherches, j'ai trouvé une autre version qui est racontée par certains historiens, mais il y a toujours un manque de preuves, mais je vais quand même divulguer l'information. Il semblerait, d'après certaines rumeurs, que Horst Wessel a été tué par un rival national-socialiste, un certain Albert Höhler, mais l'affaire sera cachée pour faire de Horst Wessel un martyr. Donc ce qui fait que les historiens pensent à cette histoire, c'est que en un mois, toutes les personnes témoins du meurtre, y compris Albert Höhler, mourront de mort mystérieuse. Donc voilà pour l'histoire de Horst Wessel, en sachant que par la suite, il y aura beaucoup d'unités militaires qui porteront son nom, aussi bien des avions, etc. Et un film aussi sera fait sur lui, un film produit par Puzzi, mais a eu mauvaise presse parce que Goebbels était jaloux contre Puzzi pour son film et lui a mis des bâtons dans les roues. Donc cela ne fera pas le succès espéré par Puzzi. Et petite anecdote, c'est que pour tourner son film, il a été dans des quartiers communistes pour que son film soit plus près de la réalité. Et pour le film, ils ont fait une fausse bagarre entre DSA et des communistes. Mais d'après Puzzi, il semblerait que les communistes du quartier, en voyant des communistes avec des drapeaux rouges se taper contre DSA, ben, tous les communistes des quartiers se sont dit, bah ça y est, la révolution est lancée, et ils se sont mis à sortir et à se taper contre les SA. Donc, l'anecdote est que pour ce film, la bagarre est une véritable bagarre entre les SA, qui jouaient leur propre rôle, et des véritables communistes qui venaient se taper. Donc voilà pour l'anecdote racontée par Puzzi. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette musique de Horst Wessel. Donc, comme je vous le disais au début, imaginez que vous êtes un jeune, en manque de repères, les proches de votre famille sont morts pendant la guerre, votre famille a faim parce que c'est l'inflation et là c'est la crise financière, et d'un coup vous voyez des hommes en tenue avec les tambours et marchant au pas en chantant cette chanson. Donc forcément beaucoup de jeunes seront attirés par ce mouvement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce hors-série sur la SA, et je vous laisse sur cette musique.